Coucou, ici Ophélie de la chaîne YouTube Ta Mère Nature. Il y a 2 ans, j'ai tout plaqué pour apprendre à faire pousser les légumes et depuis, je travaille dans l'agriculture urbaine. Aujourd'hui, 18h39 m'a proposé de partir à la rencontre de gens qui, comme moi, ont changé radicalement de vie et se sont tournés vers des métiers soit plus proches de la nature, soit vers des métiers plus manuels. Parce que oui, changer de vie, ça fait un peu fantasmer tout le monde, mais à quoi ça ressemble dans la vraie vie? C'est ce qu'on va voir avec Florence, qui a un parcours assez atypique. Aujourd'hui, on est à Menton, dans son ancienne pharmacie. Mais en vrai, c'est pas vraiment là qu'on a rendez-vous. Allez, on y va. Viens. On s'en va. Allez, viens. C'est par là. Bonjour, Florence. Bonjour, Ophélie. Pour la visite ? Oui, c'est parti. Allez, on commence par la buanderie. Elle est grande, cette buanderie. Alors, en fait, elle va s'arrêter ici. Et là, nous aurons la chambre de mon fils. Ok. On continue. Et la chambre de mes filles. Ok. Bon, il faut un petit peu d'imagination pour l'instant. Hein. Non, mais si, je m'y vois. La salle de bain. Ok. Voilà. Et, jolie baignoire. On enchaîne dans ma chambre. Parfait. Allez, viens. Le goût du risque, un petit peu, là. Ah, mon portable. La chambre rose. Voilà. Donc, avec un joli mur de pierre. Ah ouais. Très beau, ce mur. Alors là, on a le privilège de passer à travers les murs. Passons à travers le mur. Pour nous retrouver dans la cuisine. Ok. Voilà, pour mijoter de bons petits plats. Trop bien. Avec les petites herbes aromatiques à la fenêtre. Ça, c'est parfait. C'est bien vu. Et le salon. Le salon. Voilà. Qui va donner du coup sur la cuisine, ouverte sur le salon et sur la terrasse. Trop beau. En fait, on est chez toi. On est chez moi. Tu t'es reconvertie, t'as tout plaqué. À moitié tout plaqué. Ouais. Tu faisais quoi avant? De la pharmacie. Voilà, on était dans ta pharmacie juste avant. Voilà. Et t'as changé de vie. Voilà, je me suis reconvertie en architecture d'intérieur. Comme j'ai fait un petit détour par la permaculture, c'est vraiment une vision de l'architecture qui m'a percutée. Attends. Tu as fait un détour par la permaculture aussi? Ouais. Pharmacie, permaculture, architecture d'intérieur. Et laverie automatique. Ok. Alors, va falloir m'expliquer un peu ce qui s'est passé. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, en fait. Je dirais que c'est plutôt un cheminement. Donc, moi, j'étais très attirée par la permaculture. Et je me suis rendue compte que c'était quand même un peu compliqué avec 4 enfants, une vie de famille, de gérer une campagne et l'activité commerciale attachée à la production. La permaculture, c'est un mode de pensée et c'est aussi une manière de cultiver la terre qui est respectueuse des hommes et de la terre aussi. J'ai une petite campagne en Italie et à produire mes légumes, mes fruits, déjà pour notre consommation personnelle et c'est une grande satisfaction. Et par contre, après pour en faire une activité professionnelle, je me suis vite rendu compte que c'était quand même un peu compliqué. J'avais quand même aussi en tête de faire de l'architecture d'intérieur. Donc au début, c'était juste pour ma maison, je voulais faire des travaux. Donc je me suis formée avec l'atelier Homme de Maëlys Dorn. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi ne pas en faire mon activité professionnelle, d'autant que l'approche qu'elle a de l'architecture d'intérieur est quand même très centrée sur l'habitant, sur les habitants. Et je trouvais justement que ça se rapprochait dans cette idée-là de la permaculture où il y a vraiment toujours à la base le respect des gens et de la terre. Ce qui est rigolo, c'est de se dire aussi que dans la permaculture, on utilise beaucoup les ressources qui sont sur place. Toi, tu me disais que tu étais aussi très attachée au fait de faire de la récup, d'utiliser ce qui est déjà sur le chantier. Oui, donc par exemple, dans la cuisine, on a récupéré du carrelage qui va servir dans la buanderie. Et puis, je piste aussi pas mal le Bon Coin, les sites de marchés locaux pour les surplus de chantier. J'ai l'impression que tu as quand même une très jolie terrasse. Est-ce que ça te dit de nous la montrer? Alors, elle est un peu en chantier aussi, mais avec grand plaisir. Ah, allez, allons-y alors. On est
on est mieux assise. Bon, on va en profiter pour parler un petit peu du volet familial, parce que j'ai cru comprendre que tu avais quatre enfants. Quatre enfants. Et alors ? Un chien, deux chats, un lapin, un poisson rouge. Oh my god. Alors du coup, je suis complètement fascinée. Je me pose vraiment la question de comment tu t'en sors, comment tu fais au quotidien. Je jongle. Ok, très bien. Mais encore. Eh ben, alors déjà, la grande idée, et ça rejoint aussi la permaculture, c'est de tout centraliser au même endroit. Donc, l'école est à 2 minutes de la maison, on peut aller au collège à pied, la pharmacie, bah, vous avez vu qu'elle était juste à côté, la laverie aussi, donc mon bureau d'architecte, bah, je l'ai aménagé à l'arrière de la laverie. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir le moins de temps perdu possible dans les trajets et aussi et surtout de rendre les enfants autonomes le plus tôt possible, donc de leur apprendre à aller seuls à l'école, à aller seuls au collège, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idée de base, c'était vraiment de tout rapprocher au maximum. Est-ce que dans ce changement de vie, tu t'es sentie quand même soutenue par tes proches, ta famille ? Alors en termes d'organisation, non, parce que j'ai personne sur place. Donc j'ai quand même quelques amis qui ont toujours été là pour donner un coup de main ou pour mes déménagements successifs ou récupérer les enfants à l'école en cas de pépin ou ces choses-là. Mais sinon, question famille, moi j'ai vraiment personne sur place. Est-ce qu'il y a certaines choses que tu aimerais améliorer dans ton planning, ton quotidien ? Alors, c'est un peu pour ça aussi que j'ai vendu mon officine, parce que les horaires de travail étaient complètement élastiques, les gardes de nuit, les gardes de week-end. J'avais vraiment l'impression, à un moment donné, de passer à côté de ma vie de famille. Donc, c'était aussi le but d'arriver à aménager des horaires de manière à profiter plus sereinement d'une vie de famille. Donc là, actuellement, c'est quand même toujours un peu compliqué, parce que j'ai beaucoup de casseroles sur le feu. Donc, je démarre mon activité, j'ai mon chantier, qui est vraiment mon baptême du feu en termes d'activité professionnelle. Je compte vraiment là-dessus pour me lancer sur mon activité. Donc là, pour l'instant, c'est sûr, c'est pas simple au quotidien. Mais justement, l'idée, c'est d'arriver à un quotidien quand même plus serein, dans lequel je pourrais organiser mes horaires de manière qui soit plus compatible avec une vie de famille. Moi, je sais que ça m'a fait très bizarre de reprendre l'école. La formation, c'est quand même un truc assez intense. On a plein d'infos qui nous arrivent en pleine tête. Est-ce que toi, ça a été facile ? Non, alors c'est très compliqué quand tu es dans une vie professionnelle de se remettre dans la position de l'apprenant. Donc il faut vraiment changer de veste, changer de casquette. C'est vraiment pas du tout le même état d'esprit. Tout ça en ayant quand même des enfants à assumer, hein, ils n'ont rien demandé. Et stop ! Téléportation ! Sans transition, nous sommes dans une laverie automatique. Il faut que tu m'expliques, Florence, qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il y a quelques années, 3-4 ans maintenant, je ne sais plus trop, devant les commerces qui fermaient les uns après les autres dans mon quartier, j'ai trouvé que c'était quand même dommage et qu'un quartier sans commerce, c'est un quartier qui meurt. Donc la laverie était déjà fermée depuis plusieurs années, donc j'ai décidé de la racheter, de la rénover et de la faire redémarrer. Je réfléchis déjà effectivement à des compléments de revenus pour le jour où j'arrêterai de travailler. En vrai, je suis sûre que c'est parce que tu blanchis de l'argent, mais bon, Ouais, je les mets dans la machine et je fais tourner, c'est ça. Pour ce qui est de ton démarrage, là, ça y est, tu démarres ton activité. Comment ça se passe pour que tu trouves ta clientèle ? Alors là, je compte beaucoup sur le bouche à oreille, déjà, au départ, parce que je connais quand même pas mal de monde du fait de mon activité précédente, mais aussi, ou surtout, je ne sais pas trop ce qui va le plus porter ses fruits, la formation que je suis en train de faire avec Maëlys Dorm, donc Homer Pro, qui est vraiment très axée sur la communication, sur trouver sa clientèle, quelle offre proposer, je compte aussi beaucoup là-dessus. Le réseau, les gars, le réseau. On a dit. C'est ça, le réseau. Dans ton arche de Noé, il y a aussi, je crois, un certain poisson qui s'appelle Bubule. Oui, en fait, c'est mon producteur d'engrais avec les petits vers de terre. J'ai aussi un poisson rouge. Et donc, il y a les petites plantes, c'était un petit test. Donc, les petites plantes se nourrissent directement dans l'eau des déjections du poisson. Ok, c'est rigolo. Merci, Bubule. Bon, alors, regret ou pas regret ? Non, zéro regret. Même s'il y a des moments un petit peu chauds, il y a des moments de remise en question, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher, pas marcher. Moi, j'ai quand même un diplôme qui me permet de partir sereine dans cette nouvelle activité parce que je me dis que si ça ne marche pas, je peux toujours revenir en arrière, ça ne sera jamais un problème. Mais de toute façon, il faut que ça marche.
Ouais, moi je suis très impressionnée par ton parcours, ça m'inspire beaucoup. Et je me dis que si un jour j'ai 4 enfants, et ben, je pourrais m'en sortir. Donc merci pour ton témoignage. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, on va dire, dans 5 ans par exemple ? Vraiment, moi, mon objectif de vie, c'est d'atteindre plus de sérénité dans mon quotidien. Donc d'arriver à combiner ma vie professionnelle, une vie professionnelle qui m'intéresse, qui me passionne, et une vie de famille épanouie. Voilà, je pense que c'est ça le but du changement de vie. À mon avis, tu es sur la bonne voie. Merci Florence. Merci Ophélie. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. On va partir à la rencontre de plein d'autres super gens qui ont changé de vie. Et puis d'ici là, bah, comme d'hab, hein, je garde le micro. Hein. Allez, bye. Ciao, ciao. Vous ne l'aurez jamais.